J'ai les lunettes de soleil tout simplement parce que le soleil a décidé de venir nous voir. Super! Ça y est, je vais pouvoir vous montrer le spot où on est. Alors, voilà le spot. Donc, c'est de l'herbe. Autour de l'herbe, il y a des constructions. Ça, c'est un foxy. Ça, c'est de l'herbe avec un monsieur. Voilà. C'est ça le spot. C'est toute l'herbe. Voilà, c'est partout, partout, partout. C'est un terrain volant, un terrain vague, de l'herbe, de la terre, et puis des constructions. Et là-bas, de l'autre côté, là-bas, là-bas, qu'est-ce qu'il y a là-bas? L'océan. Et on y va. On va vous montrer. Enfin, je me dépêche parce que les nuages, ils sont pas super, super top, hein. Ils sont pas super top, alors on va se dépêcher quand même. Allez, on court, on va à l'entrotte. Go, go, go! Ah, j'aime beaucoup le panneau. Moi, je suis passée par là, mais normalement, faut prendre le sens unique par là, faire tout le tour par là et rentrer par là-bas. Mais bon, moi, je suis passée par là comme beaucoup d'entre nous. Voilà, donc là, après, on a la petite route, là, en sens unique, à traverser. Et voilà, après, bah, des constructions qui sont pas mal quand même. Donc bien sûr, beaucoup de choses fermées, restaurants et tout, il y en a quelques-uns d'ouverts. Et là, juste là, la playa, avec le vent. Alors ce qui est sympa, c'est qu'il y a des douches de partout. Oui, je sais, c'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel, il y a plein de plages qui ont des douches de partout pour se laver du sel, du sable. Et voilà, elle est un peu loin là, l'eau. Eh oui, c'est ça l'océan. Faut surveiller l'heure des marées si on veut voir de l'eau. Tout près. Oh bah, en tout cas, il y a du monde. Bon, j'ai pas plus loin parce que j'ai pas envie d'aller de marcher dans le sable pour le moment. Je me dépêche parce que je sais pas si la pluie va revenir ou pas. En tout cas, c'est beau, hein. C'est vraiment beau. Et on a un petit domino, lui, qui adore aller dans le sable. Un domino? Il est trop marrant. Donc là, bah oui, c'est fermé. Et là, bah là, c'est ouvert. Espuma del Mar. Alors là, tu peux faire petit déjeuner, tu peux manger bien évidemment des crustacés, du poisson, etc. Et là, on va voir un peu quelques petits commerces, n'est-ce pas, Chrissa? Elle est contente avec son nouveau gilet, hein? Voilà, le mien, elle a servi de brouillon, maintenant elle a un joli. Quoique le mien, il n'est pas moche. J'allais quand même le dire. Le mien, il n'est pas moche, ça va. Ah, c'est sûr qu'il n'y a pas grand monde, hein. Quand en été, ça doit être bondé, par contre. Je voudrais pas venir ici en été. Ah non, moi non plus, hein. Non, merci. À part pour les glaces. Non, même pas pour les glaces? Ah si, hein. Petit coin de sport. Bon, Christa, tu veux nous faire voir comment ça fonctionne? Le terrain de sport. Je la sens pas trop motivée, hein, mais bon, je la comprends. Là, on a surtout envie de marcher avec le rayon de soleil. Ah, je suis contente de pouvoir montrer quand même où nous sommes. Le rond-point Plein de avec le point ici. palmiers. Les palmiers de partout, partout. Petite vue d'ensemble. Allez, petite vue là. Qu'est-ce que tu montres? Nous sommes ici. Voilà. Là, nous sommes garés ici dans le truc orange là. Terrain vague. Terrain vague orange. Voilà.
Ah, puis en plus, c'est marqué interdit. Le stationnement des camping-cars est interdit. C'est interdit dans la rue, je suppose. Voilà, je suppose. Donc, voilà. Parce que la police est passée ce matin, ils ne nous ont rien dit. J'ai déjà vu, ils passaient hier, avant-hier. Ils passent pratiquement tout le jour. C'est vrai que c'est bien parce qu'ici, il n'y a pas des grands immeubles hyper hauts. Je trouve que c'est pas mal. J'aime beaucoup les couleurs. Par contre, là, l'hôtel Barcello, c'est une chaîne parce que j'avais déjà été à San Sebastian dans un Barcello. C'était très bien à San Sebastian. Là, je pense que ça doit être bien aussi. Il n'y a pas de raison que ce soit pas bien, hein, surtout. Il y a piscine et tout, là. C'est mignon. Moi, j'aime beaucoup, là, parce que c'est calme. Vraiment très calme. Bon, pas beaucoup de choses ouvertes, mais suffisantes. Il n'y a pas grand chose d'ouvert, hein, mais ça nous suffit pour ce qui est ouvert. Là, on va à l'épicerie pour Chrissa. Moi, je vais retirer, il y a une caisse exprès, je retire un peu de sous, puis voilà. Et il y a l'essentiel, une épicerie, avec une dame très sympathique. Ben oui, moi j'aime bien faire de la publicité pour les gens sympas, les petits commerces. Voilà, il y a tout ce qu'il faut, le nécessaire. Et une Chrissa qui attend dehors avec Domino. Alors là, petit chien, bah bien sûr, il reste dehors avec moi, Domino. Il attend sa maîtresse qui est partie au magasin. Parce que bien sûr, on ne rentre pas avec Domino dans le magasin. Et non. On attend dehors la maîtresse. On fait chacune notre tour les courses. Comme ça, Domino peut venir se balader avec nous. Mais monsieur Domino, il s'impatiente. Hein, Domino? Et magasin de petites choses, aussi ouvert. Donc lui doit être ouvert aussi toute l'année, c'est très sympathique. Voilà, Crystal a trouvé des chaussures comme moi pour marcher dans l'eau. Est-ce pas YouTube? Oui, autant acheter directement plutôt que de passer par Amazon. Hein. Hasta luego. Ça y est, on retourne à la maison. Pas rapidement, pas en courant, mais bon, les nuages arrivent. Voilà, ils sont pas partis longtemps. Hein, Madame Chrissa, on rentre. Ils se sont regroupés les nuages pour nous embêter. Bon, on a pu quand même sortir un petit peu. C'est déjà ça. C'est super. J'ai mon pain. Oh, Chrissa, son pain. Ben, je mange du pain que le matin, au petit déjeuner. Elle était perdue sans son pain. Oui. Allez, vite, on rentre. Ciao, salut tout le monde. Salut.